Le Valais, Charles, est-ce que tu peux nous dire du coup en quoi tes dessins à l'encre de Chine peuvent jouer avec la ville ou non? Ce qui nous intéressait, nous, c'était, mais tu vas nous l'expliquer, c'était en voir en quoi donc, tes collages étaient des scénographies qui pouvaient entremêler réalité et illusion. Peux-tu nous en dire plus sur la notion de trompe-l'œil dans tes interventions, pour nous présenter ton travail et nous parler de cette notion de jeu, quoi. Alors, je vais commencer par le début de la question. Donc, il y a du jeu dans mon travail, certainement. Donc moi, je fais des collages de personnages à échelle 1 que je travaille à l'encre de Chine de manière relativement photoréaliste. Et en fait, ma démarche, elle consiste à envahir des endroits de la ville, des contextes, des lieux qui me plaisent, par des personnages. Alors, ces personnages ne sont pas des personnages issus de mon imaginaire ou je ne sais quoi, ce sont de véritables personnages et en fait, des modèles que je prends en photo, que je redessine et que je replace dans le contexte de la ville. Donc, à ce moment-là, oui, il y a du jeu, puisque c'est du jeu, d'une part, du jeu théâtral, dans la mesure où il y a de la mise en scène, où ce que je fais, oui, c'est chercher des coïncidences entre une figure, une forme d'architecture, etc., quelque chose qui va créer du sens. Et par rapport à la question de l'illusion, alors, c'est pas vraiment du trompe-l'œil dans la mesure où je travaille en noir et blanc, où quand on voit mes dessins, on comprend que c'est du dessin. C'est pas de la photo non plus, c'est pas du photoréalisme. L'illusion, elle se situerait plus peut-être dans une impression de réalité qui est due au fait que lorsqu'on perçoit une figure comme ça qui est à échelle 1, qui est assez contrastée, assez marquée, dans une situation qui a l'air de réagir aux mêmes règles physiques, donc aux règles de la pesanteur que nous-mêmes, et ben du coup il y a une espèce de confusion qui se fait donc entre l'espace du mur et l'espace réel, et donc voilà, les images elles jouent sur cette ambiguïté-là, et c'est dans cette mesure-là qu'il y a du trompe-l'œil dans mon travail. On a envie de vous poser un peu la même question par rapport à ce que disait Tom, c'est-à-dire il disait que l'œuvre, enfin ce qu'il faisait, c'était pas ce qui était aussi important, c'était le processus, est-ce que les gens aimaient, c'était le geste. Est-ce que vous avez cette expérience-là? Est-ce que voilà, et est-ce que vous travaillez jour, la nuit, quelque chose? Alors, je pense que ça. Enfin, ça ne peut pas avoir le même effet parce que moi je reste pas des heures à coller un dessin, ça me prend un quart d'heure à tout casser. Et je le fais le jour. Mais ça a aussi ce genre d'effet, mais à plus petite échelle, parce que c'est moins long. Et en effet, les gens sont plutôt euphoriques face à ce genre de situation, en général. En fait, ça joue pas simplement avec la ville, ça joue avec les gens dans la ville. Ça joue en effet pas seulement avec la ville, mais aussi avec les gens dans la ville, pour répéter la question. Ça joue aussi avec les gens... Mais quelle relation est-ce que tu entretiens avec le garçon, avec le regardeur, Alors, bah, c'est des objets qui sont... Enfin, c'est des objets. Ce sont des dessins qui sont créés pour produire un effet. Clairement, ce sont pas des... Ils sont pas là d'une manière ornementale, décorative, censée se faire dans le décor. Ils produisent un effet parce que il y a une impression de réalité qui surprend, etc. Et puis après, on voit qu'il y a un jeu avec l'architecture, etc. C'est... voilà. Donc oui, il y a une interaction avec le passant, et ça ne pourrait pas exister sans le passant. Ces situations de mise en scène, si elles ne sont pas vues, elles n'ont pas de sens. Donc oui, c'est une forme de représentation théâtrale, événementielle, spontanée, qui émerge comme ça. Et pourquoi aujourd'hui ton travail se situe en ville, et en particulier à Paris? Est-ce qu'il y a une raison? Alors, pourquoi à Paris? Parce que j'habite à Paris. Et pourquoi en ville? Parce que j'habite en ville, mais pas seulement. En ville, il y a quelque chose de plus qui serait peut-être cette liberté qu'on a en ville d'aller coller un peu n'importe où, parce que la notion de propriété privée, à partir du moment où on est dans une rue de ville,
n'a pas le même sens que si on est dans la rue d'un village, où dans la rue d'un village, et ben, le rodondron du voisin, c'est le rodondron du voisin, et puis c'est tout. Quand on est en ville à Paris, dans une rue quelconque, on peut se sentir propriétaire d'un petit peu tous les lieux qu'on croise, et on peut se les approprier beaucoup plus facilement. Et à ton avis, est-ce que c'est par rapport à ce rapport à la ville, est-ce donc la démarche de l'artiste qui amène le jeu, ou est-ce plutôt la ville qui invite les artistes à entretenir ce rapport avec elle? Est-ce que c'est la ville qui invite le jeu ou les artistes qui invitent à jouer? Je dirais les deux. Je dirais que la ville invite au jeu dans la mesure où elle est une ressource infinie d'éléments à exploiter, de détails à détourner, au même titre qu'on peut détourner de la publicité, on peut aussi détourner des lieux, détourner des contextes, des objets, des éléments d'architecture. Et là, oui, à ce moment-là, la ville, c'est un terrain de jeu rêvé. Elle devient aussi un jeu dans la mesure, pour les passants, j'entends, dans la mesure où quand il y a un dessin comme ça qui est dans la rue, que ce soit ça ou autre chose, j'ai pu observer ça beaucoup, les gens se prennent en photo avec les dessins, les gens jouent avec les dessins, les gens imitent les positions des personnages, etc. Et donc il y a un jeu qui se crée aussi par là. Parce que oui, voilà. Et du coup, tu parles de terrain de jeu. Est-ce qu'il y a des règles de jeu dans ce terrain de jeu? Absolument. Mais ça, je pense que chacun se fixe ses règles. Moi, j'ai mes règles de travail qui sont de travailler à échelle 1, qui sont de travailler sur des figures photoréalistes, qui sont de travailler avec une illusion de cohérence dans les règles de l'apesanteur, tout ça. Donc voilà, ça, ce sont mes règles du jeu. Oui, mais ça, c'est tes règles du jeu, mais la ville, elle en a des règles. La ville, elle en a des règles. Mais au niveau du rapport à l'artiste, au niveau, par exemple, de son rapport éphémère, peut-être. Ah oui. Bah oui, bon, enfin là en l'occurrence il faut l'accepter, mais ça je pense que peu importe qui travaille dans la rue accepte de toute façon que son travail disparaisse. Et en moyenne ça reste combien de temps tes interventions? Ça reste de un jour à quelques heures à deux mois. Il n'y a pas de. Je dirais qu'en moyenne, la plupart de mes dessins ne survivent pas à trois jours. De l'anonyme. De l'anonyme, du passant, de l'habitant, du SDF à l'enfant, au lecteur, toutes ces personnes, toutes ces figures que tu représentes dans ton travail, où la personne est centrale dans ton travail. Tu nous l'as caché, mais il n'y a pas de chien, il n'y a pas de vache, c'est l'humain que tu représentes. Donc est-ce une manière pour toi d'habiter la ville? Alors, bon, il y a eu une vache une fois, mais on va passer sur cette histoire. Alors, effectivement, ce que je représente, c'est beaucoup des scènes qui sont très quotidiennes, qui sont parlantes pour tout le monde. Ce que j'essaye, moi, de faire, c'est de prendre dans ces actions qui sont très quotidiennes, qui sont très communes, bon, ben voilà, tomber, machin, je sais pas, lire, etc., et de saisir le moment où cette action-là, elle va être signifiante dans un lieu, dans un contexte, et à quel point je pourrais la détourner. Par rapport à la figure de l'anonymat, je comprends bien la question, par rapport à tous ces portraits anonymes qui se multiplient dans nos rues. Alors, oui, je suis des gens anonymes. On te reconnaît aussi dans... On me reconnaît, mais dans la mesure où personne ne connaît ma tête... c'est aussi relativement anonyme. Quand j'utilise mes personnages, homme, femme, moi-même, quelqu'un d'autre, c'est pas pour parler de un tel, un tel, un tel, c'est pour utiliser des figures humaines qui sont voilà, des archétypes, l'archétype du lecteur et l'archétype du travailleur et l'archétype. Voilà. Donc j'utilise vraiment des figures archétypales qui fonctionnent, ben, c'est marrant, un petit peu comme des signes, comme ça.
et donc qui vont pouvoir faire sens à un moment ou à un autre. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, je pense, là, je sais pas. Alors, par rapport à la question voilà, de l'arpentage des quartiers, de pourquoi un lieu, pourquoi un autre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'art urbain à Neuilly-sur-Seine? Je ne sais pas, certainement, parce que justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la propriété privée, c'est qu'il y a des lieux, des quartiers dans lesquels on se sent chez soi et d'autres non. Bon, ça ne tient à pas grand-chose. Moi, je suis pas, par exemple, pour moi, ça ne change rien de coller un truc à Paris ou d'aller le coller au fin fond de la campagne. Donc, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément parce que tel quartier est hype en ce moment que je vais aller l'exploiter. Mais si je ne vais pas aller squatter du côté de Neuilly-sur-Seine, c'est parce que le quartier, l'architecture, l'environnement, le passage qu'il y a ne va pas m'intéresser. Il n'y aura pas forcément quelque chose de particulier à traiter. Voilà. J'ai fait une fac d'art plastique. C'est comme ça que je suis arrivé là-dedans. Ernest, c'est quelqu'un que je connais depuis un certain nombre d'années maintenant. Je connais son travail, je ne connais pas le type, hein, mais et effectivement qui a influencé voilà, comme beaucoup d'autres. Et pourquoi est-ce que j'en suis venu à travailler dans la rue? C'est parce qu'en fait avant j'avais le même type de travail, mais je travaillais en vidéo, je travaillais en installation vidéo avec des personnages projetés comme ça, qui étaient aussi décontextualisés du cadre, etc. Mais ça me posait tout le temps des problèmes fous en ce qui concerne les modalités d'installation, parce qu'il faut un lieu, parce qu'il faut un branchement électrique, parce que, etc. Et en fait, ce qui m'a amené à travailler dans la rue, c'est que la rue, ça m'offrait une infinité de lieux d'exposition, de lieux d'installation, de lieux d'exploitation que je pouvais modifier, détériorer, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est le premier travail dans la rue que vous avez fait. Voilà. Il n'y a pas eu quelque chose avant ou une évolution Non, c'est en fait j'ai un peu transcrit les problématiques que je traitais en installation vidéo au dessin et donc à mon travail dans la rue. À mon sens, il y a tout comme le disait Gilbert tout à l'heure, c'est un geste politique. À partir du moment où on fait quelque chose dans la rue, c'est un geste politique dans la mesure où on s'adresse à un public sans lui demander son avis, etc. Bon. On le prend un peu en otage avec ces choses-là. Après, de là à faire de l'art social, de l'art qui communique, qui prend un propos clair et engagé, après ça s'appelle la communication, ça s'appelle de la publicité, c'est différent. Enfin, il me semble, moi, qu'à partir du moment où une œuvre d'art énonce trop clairement un propos subversif, elle perd son pouvoir de subversion. Parce que ça, il ne se passe plus rien. Je sais pas, c'est...